Coucou, on se retrouve dans ce retour de course. Il fait super chaud, je viens juste de rentrer. Les enfants sortent de l'école, donc vous allez les entendre passer. Donc, déjà, je vais faire un peu de place parce que j'ai fait des grandes courses aujourd'hui parce que elle avait besoin. Donc, tout ça, c'est un sac avec des légumes, mais on me les a donnés en fait, donc voilà. Et aujourd'hui, j'ai fait mes courses à Leclerc et comme j'avais oublié des choses, je suis allée à l'intermarché. Donc, j'ai pris un paquet de papier toilette, tout simplement. Ensuite, j'ai pris un tourtel à la pêche, un tourtel au citron. Ensuite, j'ai pris une super promotion de tomate au coulis, donc c'est de la sauce tomate tout simplement pas aromatisée, quoi, juste de la sauce tomate. Et ce sont des petites briquettes de 200 grammes à chaque fois. Et donc, il y a 6 paquets de 3 briquettes. Donc, ça fait 8 paquets puisqu'il y en a 2 offerts. Et ça revenait, ça c'était moins de 10 euros. Donc, ça valait grave le coup. Franchement, c'était grave intéressant. Parce que moi, j'aime beaucoup faire des trucs à la sauce tomate. Donc, voilà. Ensuite, je vais faire ça par sac. Ensuite, j'ai pris un paquet de dosettes Tassimo, parce qu'en fait j'ai des dosettes mais pour faire des tasses entières et des fois je fais juste du café au lait, donc en fait ça me fait perdre du café, donc là j'ai pris des dosettes avec, qui font un peu de café, comme ça je peux le mélanger avec du lait. Ensuite, un paquet de lasagne, comme ça si je veux en faire, je peux en faire. Ensuite, j'ai trouvé une nouvelle senteur, un nouveau goût qui m'avait l'air intéressant dans les thés à infuser à froid. C'est pastèque fraise menthe, donc à essayer parce que les autres que j'ai essayé, j'étais trop déçue. Donc à voir. Ensuite, j'ai pris un paquet de crème fraîche. J'ai pris 2 paquets de riz basmati de 1 kg. Donc voilà, 2 paquets. Ensuite, j'ai pris un paquet de lingettes anti-décoloration pour la mâchie. Ensuite, j'ai pris 6 wraps comme ça pour que j'adore. Donc, j'en ai pris un paquet pour ce qu'on va en faire. Ensuite, en fait, j'avais plus du tout de stock de quoi que ce soit. Donc, j'ai pris 2 ketchup pour en avoir un stock. Parce qu'on en a un en cours d'utilisation, mais on n'en a pas en stock. Donc, j'en ai pris 2. J'ai pris une recharge de savon liquide amande et miel de Eco Plus. Normalement, amande et miel, j'adore. Donc, ça sent trop bon. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a un camion qui passe. Donc voilà, ça fait 750 ml. Donc et ça coûtait moins de 2 euros. Donc super intéressant. Ensuite, j'ai pris une petite boîte de pois chiches parce que je vais faire du taboulé. Ensuite, j'ai repris 2 boîtes de maïs parce qu'il m'en reste, mais j'en mange beaucoup, donc du maïs. Je vais en mettre dans le taboulé aussi. Et ensuite, j'ai pris 3 paquets de café soluble comme ça. Parce que ça, c'est le café de mon chéri. Donc, je lui en ai pris 3 paquets. Comme ça, on a de la marge. Ensuite, deuxième sac. J'ai pris un sirop banane kiwi comme ça. Donc, ça, c'est à boire super frais. Ensuite, j'ai repris 2 mayonnaises, toujours pareil. Voilà. Ensuite, j'ai pris une moutarde parce qu'on consomme beaucoup moins de moutarde quand même, faut le dire. Un paquet de oignons frits comme ça là. À voir, je ne les ai jamais goûtés ceux-là. Ensuite, un sirop de fraises. Une vinaigrette à l'échalote et une vinaigrette à la moutarde, un fromage cœur de crème, un paquet de sucre, un paquet de semoule parfumée, donc ça c'est pour faire du taboulé. Ensuite, 2 paquets de crème dessert au chocolat, un paquet de fromage frais à la vanille, ça j'adore, et un paquet de yaourt brassé aux fruits mélangés comme ça.
deuxième paquet de bidets. Ensuite, un sac avec que des apéritifs. J'ai pris des trucs comme ça là, chèvre romarin. J'en ai pris, c'est quoi, c'est tomate, olive, origan. Et après j'ai pris des petites crêpes fourrées que j'ai jamais goûtées. Donc j'ai pris roquefort, cheddar et fromage. Voilà, ça c'est pour essayer. Ensuite, j'ai pris deux packs d'eau de cristalline, mais je vais pas les porter pour vous les montrer, c'est deux packs d'eau quoi. Et ensuite, dernier sac pour le clair. J'ai pris des éponges comme ça, il y en a 6. Donc des éponges tout simplement. Ensuite, j'ai pris une promotion où j'ai pris 4 brefs comme ça. En fait, c'était 2 achetés et 2 offerts. Donc j'en ai pris 4. J'ai pris un paquet de boules caisse parce que j'en ai besoin. Ensuite, en promotion, c'était un acheté, l'autre à 60%. J'ai pris des genre des knackis. Ensuite, j'ai pris des cacahuètes sans sel. Ensuite, pour goûter, parce que j'ai jamais essayé, j'ai pris des petites sauces comme ça, prêtes à utiliser, de chez Charal. Donc, j'ai pris une sauce roquefort, une sauce forestière, et pour mon copain, parce que ça, je ne l'ai pas aimé, c'est barbecue et miel. Ensuite, j'ai pris des herbes de Provence séchées, quoi. Donc, en fait, j'ai un truc comme ça, là. Quand il sera vide, je pourrai le recharger. Après, j'ai pris un fromage que j'adore. C'est un fromage frais comme ça à la figue et aux noix. Ah ben, ils sont là les autres trucs. Ensuite, j'ai pris une pince à épiler parce que la mienne, on a dû s'en servir pour enlever des tiques aux chiens. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris du fromage râpé. J'ai pris de la vanille liquide comme ça. Et après, j'ai pris 4 paquets de pâtes différents. Donc, j'ai pris des penne, des tortilles aux faux légumes, encore des penne et des macaronis. Regardez l'état de mon plan de travail. Il est plein. Donc, je range tout ça et je vous reprends pour le sac de Intermarché. Donc, je continue cette fois-ci avec Intermarché. À Intermarché, j'ai acheté des fraises en pas en très très bon état, mais à moitié prix. Je compte les faire tout de suite en salade de fruits. J'ai pris un fromage qui était aussi à moins 50%. Ensuite, j'ai pris un comté, une bûche de chèvre, 4 tomates, des croutons pour faire une salade parce que j'ai une laitue, les tomates avec du fromage de chèvre et tout, et ça, je vais faire une salade. J'ai pris des œufs aussi, donc là c'est un paquet de 15. J'ai pris 2 paquets d'allumettes fumées là comme ça. Ensuite, j'ai pris quelques abricots, des kiwis, des compotes mélangées là, les goûts mélangés comme ça. J'ai profité pour prendre un paquet, enfin un paquet, une feuille là avec des promotions. Et j'ai des légumes à farcir, donc j'ai pris 2 farces comme ça qui étaient à moins 30%. En fait, c'est pas de la farce, c'est de la chair à saucisse, mais genre je vais mettre des trucs et tout dedans pour faire une farce quoi, pour farcir notamment des courgettes. Donc voilà, du coup à la caisse j'ai eu, qu'est-ce que j'ai eu, j'ai eu un bon de 5 euros, j'ai eu un bon Gillette et j'ai eu un bon Paris Erta. Donc tous mes bons, je les accroche à mon frigo et quand je vais faire les courses, je les prends. Voilà, donc voilà pour mes grandes courses. Franchement, là pour moi c'est des grandes courses. Au total, j'en ai eu pour 170 euros. Donc là, on va l'avoir pour un bon moment. Voilà. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. N'hésite pas à t'abonner si tu aimes du contenu divers, varié, maquillage, cosmétiques, inventaire, retour de course,
et vlog. Voilà. Donc, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!